Salut YouTube, on se retrouve, on va rentrer dans la guerre. Enfin, déjà, on va devenir démocrate enfin. Et ensuite, on va rentrer dans la guerre, promis. On va se taper. Donc, on gagne toujours combien? Un 13? Ah oui! Ah oui, l'opposition démocratique et la STAP, ça fait mal là. On va peut-être arrêter de la baisser la stabilité après quand même, hein, parce que là, ça sent la révolte. Hein. On va améliorer la condition ouvrière, ça va augmenter la STAB. Baisser un peu la prod des usines, c'est pas grave, mais il nous faut ça. Ah, ça prend du temps, à l'aide. Ah non, c'est pendant 178 jours, ok. Alors, évolution hebdo, moins de 50. 3, 4, 5, ok, c'est bon, ça va augmenter. Ça va complètement augmenter. Ah mais du coup c'est la Turquie qui va chuter. Les Japonais, est-ce que vous êtes toujours en guerre contre les Américains? Oui. C'est relou. Faites la paix et déclarez la guerre aux Russes, s'il vous plaît. Ou alors redébarquez, gagnez la guerre, faites quelque chose quoi, voilà. D'ailleurs on sait pas ce que vous recherchez vous, bah non. Ouais, Staline il prend pas le risque de se battre sur deux fronts. Pas con le gars. Pas con du tout. Révolte, on en a gros, mais oui. Ils en ont gros, là, en Yugo. Allez, 46, let's go. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'ils arrivent quand même à choper l'Albanie. Putain, il faut que je retourne ici, en fait. Bon, il ne va pas réussir à la choper, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, la résistance fond comme neige au soleil ici, c'est parfait. On est à 85% d'accommodement en Bulgarie. Ok. Les alliés qui attaquent sur tout le front. Ok, les alliés ont redébarqué aux Pays-Bas. Ça a l'air de pas trop mal se passer. C'est bien. Alors, plan rouge. Ah bah oui, mais plan rouge, mais mon cul. Mon cul, plan rouge. Bon, là c'est bon. Ici ça va le faire. Du coup, pas besoin de retourner là. On va retourner en Italie. Au secours. Il me fatigue. Mes divisions bougent partout. C'est incroyable. Allez, la stabilité qui remonte très doucement, mais sûrement. Je ne peux toujours pas mettre d'aviation, puisque je n'ai pas de réserve. Voilà. Bon, là, ça se répare quand même, là. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait énormément de dégâts. Hein. Là, pour le coup, ouf. Hop, 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 attends. Le Royaume-Uni n'est pas le seul, là, quand même. Gna, 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 gna. Ok. Usine militaire Orca. Il me donne du... Oh oui, il me donne des usines militaires. Merci. Ça veut dire que vous m'aimez bien? Je peux toujours pas rentrer dans la faction, mais... Allez, hein. Bientôt.
Qu'est-ce qui manque du tungstène? Alors là, ça va être l'enfer. Quand je vais déclarer la guerre aux soviets, ça va être l'enfer sur mon approvisionnement, mais bon. Admettons. Pression britannique. Ouais, t'inquiète. Là, mais on est avec vous, les gars. Promis. Alors, oh, superbe. Oh, tout a été réparé. Oh oui. Oh, le bonheur. Il me faut encore des avions. Encore plus d'avions. Toujours plus d'avions. Oh, j'ai des réserves. Nahlem, je peux peut-être... Oh oui, je peux peut-être mettre des avions. Profitez-en, vite. Oui. Ah oui, on repasse en positif. Oh, quel bonheur. Oh, merci. Tout ça grâce à la démocratie, j'en suis sûr. Pas du tout. Non, mais arrêtez l'URSS. Oui, je sais, mais non. Là, vous avez bien compris qu'on va se taper dessus dans pas longtemps. Ça sert à rien. N'essayez même pas. Alors, peut-être que je vais me faire rouler dessus. Hein. C'est pas exclu, mais... On sera rangé du côté, je pense en tout cas, des vainqueurs. Je dis ça, mais ouais. Il faudrait que ça commence à se voir, quoi. ~48%. Allez. On tient le bon bout. Oh, les Américains ont débarqué ici. Putain, laissez-moi l'Italie, sérieux. Mais non, mais c'est chiant. Ah, il faut que je le divise en deux. Ok, la Grèce reprend du poil de la bête, c'est cool. Par contre, la Turquie, ouf. La Turquie, c'est pas simple. Ça résiste bien au Kurdistan. Mais alors là, en Anatolie, c'est pas fifou. Il faut vraiment qu'ils arrivent à tenir parce que je peux pas avoir en plus un front sud là. C'est pas tenable pour moi. Ou alors je leur laisse le nord de l'Italie aux Américains. Et moi je m'occupe de là. Ouais, ça peut. Ce serait pas déconnant. C'est pas déconnant de faire ça en vrai. On a combien? 49. Allez, il manque un point. Et on pourra faire le référendum pour redevenir démocrate. Enfin, pour devenir, pardon, démocrate.
Putain, ça aurait pris presque 2 ans. Je pensais que ça prendrait que 1 an, quoi. La Pologne. Vous êtes dans les alliés, mais vous n'êtes pas dans la guerre. Comment ça se fait? Pourquoi donc? Vous avez des divisions, pourtant. Ce serait peut-être de bon aloi de les utiliser contre vos voisins. De l'Est et de l'Ouest, notamment. On est 49-16, c'est bon. C'est pas 49-3, c'est 49-16. Oh non, les soviets! Oh, barrez-vous! Oh non, sérieusement, barrez-vous! Putain. Bon, faut faire très vite capituler et la Croatie, la Roumanie et les Carpates. Comme ça, les soviets, ils seront obligés de reculer ailleurs, puisqu'on va arriver à leur territoire. D'ailleurs, on va blinder l'aviation déjà. Je sens que le jeu va galérer. Oh non, il débarque aussi là. Oh putain, barrez-vous. C'est qui? C'est les Allemands? C'est les Allemands qui ont débarqué là? Oh. Allez. Ah ouais, les Allemands ont pris aussi la Norvège. Ouf. Ouf. On a 49,6. Et salut Araki, comment ça va? La chute de Rome. Oui, mais ça on s'en fiche, nous. Nous, c'est pas le sujet. Enfin, si, mais bon, tant pis. S'ils peuvent nous débarrasser de l'Italie, c'est déjà bien. Bon, on peut les laisser, d'ailleurs. Je pense que là, on peut les laisser, les alliés. On va se replacer, là. De Rome, bah tape dans la vodka, yes. Bah attends, là on va trahir les producteurs de vodka là. Donc à mon avis on pourra pas être réapprovisionné avant un petit paquet d'années là. Oh, ils ont pris Salonique, chie. Ah, ça recule les Russes. Les Russes reculent. Bonne nouvelle. Enfin ils reculent en Turquie, ils reculent pas forcément ailleurs, mais. Oh putain, ils reculent pas en Inde par contre. Hein. Oh là là. Vous voulez pas déclarer la guerre au Japon en même temps, sérieux? Oh putain, ça y est, on a les 50%. On devient une démocratie, les amis. Ça y est! Oui! Milan Groll, bonsoir. Je préfère Tito, mais c'est pas grave. Nous sommes une démocratie, et ça, c'est beau. Est-ce qu'on peut rentrer dans les alliés? Oui! On accepte. On rentre dans les alliés. Bon, et ben, c'est le moment, c'est l'instant. Hein. Les avions sont prêts. Le peu d'avions qu'on a, en tout cas, ils sont prêts. Attends, est-ce que je peux en avoir d'autres? Qu'est-ce que je peux avoir ici? Appui arrière rapproché. Ouais. Et ici, des chasseurs. Oh, j'en ai plus. C'est pas fou. Attends.
va tenter un truc, hein. Ok, on est dans la faction, c'est parfait. Dès qu'ils sont déployés, on attaque. Déploiement en cours, le 17 mai 46. Ok, très bien. Ok. La France libre appelle aux armes. Contre le Japon. Non, je m'en fous du Japon. Alors là, c'est... Non. Même chose. Là, oui. Allez, c'est parti. Le jeu va bugger. Le jeu va avoir un petit peu de mal, attention. Et Dark Panzer, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Eh ben allez, yalla. Attends. Attends, parce que là... Là, il y a déjà... Donc on va patrouiller ici et là. Là, même chose. Ici et là. Et là, pareil. Ici et là. Allez, c'est parti. À l'attaque. Si on fait tomber Budapest, on est bien. Ici, on va faire tomber Bucarest très très vite. Voilà, ici ça avance. Et ensuite, on partira à la directe. Allez, mon vieux. Voilà, même chose. Ici, ça avance. C'est bien, c'est très très bien. On rush, on rush, on rush. La Chine, pacte de non-agression, bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de matériel? Pour l'instant, non. Moi, j'ai plus de... Hein? Ils vont pas kiffer, les soviets. Hein. Peut-être que je fais une connerie. Hein. C'est pas exclu, hein, mais bon. Allez, on assume. Mais avance là, toi. Viens là. Donc toi, pareil, avance ici. Allez, hop, 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 hop. Ah mais oui. Eh oui, forcément. Forcément, l'Union soviétique ne m'apporte plus rien. On la pèse. Ça va être compliqué l'acier là. Genre, mais genre vraiment compliqué. Oh, c'est moche. Allez, on les appelle ici. Euskadi, bon, y'a rien. On les appelle quand même. Ça va peut-être soulager le front de l'Ouest. Ok, on a pris la capitale, on a pris Bucarest, c'est bien. Allez, on coupe tous les ports, on va prendre Galati. Comment ça, la résistance? Non mais c'est bon, oui, au pire c'est en Autriche, on s'en fout. C'est pas dans mes territoires à moi. Bon là, ça va tomber mes territoires, de toute façon, je pense. Ok, ils m'ont pas encore attaqué sur mes territoires... Ah si, ils ont quand même attaqué mes territoires espagnols. Ok, on a fait capituler la Hongrie. Parfait. Allez, yalla, on y va. Allez, ça c'est chez nous, ça on cap, on cap, on cap, let's go. On a pris Vienne, c'est bien. Oh, si on pouvait cut ici, ça serait pas mal. Et bien sûr qu'on peut cut. Non mais ça, allez, mais gardez pas un truc dégueulasse au milieu.
Ça immobilise les troupes pour rien. Ok, la Roumanie a capitulé, c'est bon. Parfait. Toi, viens là. On va essayer de les couper vite. Là, on va faire tomber les Carpates également, je pense. C'est galère niveau acier, au secours. Tac, 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 tac. Allez, bim. Allez, Cluj, on prend. Comment ça se passe ici? Ça tient plus ou moins la Turquie? Ouais, vite fait, vite fait. Trop vite fait d'ailleurs. Ici, bon, l'Espagne, ça tient pas du tout à l'aide. Ok, les Carpates, ça a capitulé. On cherche les bombes nucléaires. Ça va être bien. Ok, bah, non mais putain, mais avance, oui, bah voilà, avance. Et avance jusque là. Ici, on attaque là. Bon, là, on cap pour les Américains, tant pis, c'est pas grave. Oula. Ah, c'est pas bon ça. Au secours. Ouais, j'ai rejoint les alliés, Jeannot, tout à fait, ouais. T'as déjà utilisé mon nucléaire sur ce jeu? Ouais, tout à fait, Marco, tout à fait. En vrai, ça casse, ça défonce les infrastructures, et ça fait chuter leur morale de fou. Ce qui est un avantage non négligeable. On va venir où? Parce que là, là on n'est plus là. Bon, bah, venez là, en fait. Et venez ici. Et objectif, ça. On se retrouve encore sur la limite, hein. C'est ouf. Pourquoi il y en avait ici? Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Mais à l'aide. Qu'est-ce que tu branles ici, Michel? Allez, on les termine là. Bah oui. Oh non, c'est bon. Il n'y a pas de grève, il n'y a rien du tout là. Allez, c'est la guerre. Pas le temps.
Allez, si on entre sur le territoire de l'Union soviétique, ça va les cramer. Bref, 46, Béchou nous fait un remake de la guerre de 7 ans. Oui, c'est ça. Ah bah voilà la Pologne, merci. Ah, ça c'est bien ça. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va faire mal aux soviets et aux allemands. Ouh, oui. Ouh, oui. Vraiment bien fait de rentrer dans la guerre du côté des alliés. Regardez-moi comme elle est belle cette Yougoslavie là. Ah là, regardez, ça commence à retirer des troupes. Mais non, pas lui. Oh. Ne sois pas bête. Ah, le jeu, il a vraiment du mal quand il y a trop de troupes comme ça, c'est abusé. Allez. Ah, si l'Allemagne pouvait tomber. Ah, non. Il y a du monde quand même devant, ok. L'Allemagne tombera, mais pas tout de suite. Ouh, mais ça c'est chez moi ça, c'est bien ça. Et regardez le Pays Basque. Via notre territoire, notre dépendance en tout cas du Pays Basque, ça se passe bien. Comment ça se passe? Je suis parfait. Très bien ça. L'Espagne va tomber. Hein. L'Espagne va 100% tomber. Et ça c'est cool. Très très cool. On se rebouge les gars, on se rebouge. C'est encore plus ce bordel que la Seconde Guerre mondiale cette histoire, yes. Il y a eu une pause. Ah oui, il y a complètement eu une pause. Il y a eu un an de pause, je crois, pour cette guerre. Allez. Faites que l'Espagne tombe. Allez, il n'y a personne devant là, ça avance? Oui, ça avance. Ça avance pas beaucoup, mais ça avance. Wait. Bon, par contre... ici, bon, ça remonte sur nos terres. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis. Sinon, ce que je fais, c'est... Attendez, les 9 là. Non, faites-vous. C'est bon, vous avez capé ce qu'il fallait. Maintenant, changement d'orientation. Hop, on vient là. Alors, les autres aussi, si possible. Allez hop, on se casse. La Pologne, ça... Ah, la Pologne, ça recule, ça avance pas de fou. Aïe, 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 aïe. Ah, vous êtes chiant, là. On va lancer une offensive en Ukraine. Alors, nos avions sont où? Ils sont où, mes avions? Ils sont là, ok. Ils sont où mes autres avions? Ah, ils sont là. Non, bah venez pas là, venez... Attends, il y en a combien? 400? Bon bah venez là, c'est mieux que rien.
Allez, feu. Yallah. Ok, on a bien fait de faire ça. Ici. Oh merde. Oh, on va se faire pocket une unité, sérieusement. Allez, la France, mine de rien. Alors, c'est très petit, mais ça grappille aussi en France. C'est cool. Voilà, l'Espagne a capitulé. Très bien. Et bonne nuit, le paternet. À demain. À demain pour des hauts et des bas. Allez, on est entré sur le territoire soviétique. Si seulement on pouvait passer ce fleuve. Allez, ici, ça avance. Aïe, 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 ça capte pour les Angliches. Non. Don't cap for the English. Ouais, c'est nice aussi. Allez, go Livourne, go Livourne. Let's go. Yes sir. Allez, on fait tomber Odessa. Enfin pardon, on libère Odessa. Excusez-moi. Oula. Non. Allez, la Turquie, tombe pas s'il te plaît. Ne tombe pas. C'est un bordel en Espagne. Incroyable. Jonquera. La Jonquera, elle est encore catalane. Ah ben regardez les alliés, mais c'est très bien, ça avance partout. Les héros du front intérieur, bravo. Oula. Oh la vache. Ah ouais. Ah putain, la stabilité par contre. Ah. Oh, il n'y en a plus rien. Oh. Ah bah vivement qu'il n'y ait plus personne en Méditerranée là, qu'on ait un peu la possibilité de recevoir du matériel parce que... Ouf. C'est pas fou, hein. Bon, on a la roisse de matériel d'infanterie, heureusement. Oui, allez. Non, 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 on traverse le fleuve. On traverse, on traverse.
Allez, go libérer la Crimée et tout. Les Allemands résistent. Hein. Bon, on va lâcher ce front-là parce que là, ça passera pas. On va bouger un peu et on va venir directement ici. Allez, on tente des avancées un peu ballsy. En espérant que ça attire les Américains. Et que ça soulage un peu aussi les Turcs ici. Feu. Putain, mais ils arrivent toujours pas à réduire les unités qui sont à Cordoue, sérieusement? Allez, quand même. Faites semblant, minimum. Allez, go. Oh putain, si on prend la Crimée, c'est très très bon par contre. Ah non, l'Inde a capitulé, au secours. Ça, ça va être chiant. Ah, ça, c'est relou. Là, ils vont avoir du monde. Et salut, Chafomo, comment ça va? Oh, putain, mais regardez-moi, la carte est illisible. Au secours. Putain, quel enfer. Eh bien, ça va très bien, je te remercie. Oh là là, mais ce bordel! Alors, si vous n'arrivez pas à lire la carte, c'est normal. Hein. Même moi, c'est pas clair. Enfin, si, mais moyen. Qu'est-ce que tu fais? Mais reviens! Ah, Varsovie est tombée. Flûte.
Ils galèrent, hein, les alliés. Hein. C'est vraiment... pas simple. Oula, mais oui, tiens, ça c'est simple par contre. Les avions. Les avions sont où? Ils sont là. Allez, go combattre ici. Allez, pousser en Ukraine. Oh, ça va bien passer. Oh, que ça passe bien. Oh, merci les avions. Oh, oui. On est bien. Pourquoi il peut pas passer? Ah, il peut pas passer à cause des bateaux, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a libéré la Crimée. Peut-être qu'ils la reprendront, mais voilà. Par contre, ça recule bien en Turquie. Parfait. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est illisible. Allô? Je vois rien. Ça marche, Chenavi, ça marche. Très bien. Non, non, mais fais comme tu peux, t'inquiète. Sinon, d'assist niche, t'as une problème. Hein? You know? Ah mais là ils sont full cut. Bah allez, mais feu, fonce. Allez, on fait tomber Rome et on n'en parle plus. Putain, mais l'Espagne résiste. Ok, débarquement américain à Hambourg. Parfait. Et c'est ce qu'a eu nos problèmes, j'aurais dit. Ah, très bien, Mazu. Je parle pas allemand, je sais pas. Je te crois sur parole. Putain, la zéro stab. Oh là là, la guerre. La guerre, cet enfer. 27 divisions, de qui? C'est quel pays, ça? Le Bénin, d'accord. Eh ben écoute, pourquoi pas? Bon, on va construire des réacteurs nucléaires, hein, je pense. Allez, on en met un au Kosovo. Au cas où si ça pète, il n'y a pas trop de monde là-bas, c'est assez rural. Alors, propagande de guerre contre... Attends, est-ce que ça fait augmenter la stab? Pas tant. Construction de la nation basque. Non. Alors, reconnaissance officielle du gouvernement corse, du gouvernement tchécoslovaque. On s'en fout. On s'en fout. Je sais ce que je vais faire. Je vais redevenir communiste. histoire de ne pas perdre tout ce que je peux derrière non plus. On va quand même essayer de redevenir coco. Attends, on va quand même déjà tenter une petite pocket avant. Si la pocket à Dnipro elle passe, ça peut être pas mal. Ça va regarder par les paysans, mais non, mais c'est ça. Quand même pas mettre ça au plein milieu de Belgrade, dites donc. On n'aurait pas de sens. Mais y a personne là. Non, mais go, allez. Mais oui, enfin, Michel. Là, c'est beaucoup trop le bordel ici. Ça va pas du tout.
Ah, le débarquement américain qui passe pas. Au secours. Ouais, ils sont très présents ici, quoi. C'est vrai que si on arrivait à soulager le flanc sud, ce serait pas mal pour tout le monde. Et là, ils ont ramené les divisions d'Inde. Donc. Donc, pas simple. Ouf. Ouais, on manque vraiment de beaucoup de choses. Notamment d'hommes. Conférence impériale. Ok. On s'en fout. Allez, on prend la capitale. Pas simple. L'Italie a capitulé, parfait. Allez, yalla. A mon avis, ils ont dû se prendre une bombe nucléaire. Ah non, ils ont débarqué à Palerme, les Américains, c'est pour ça, ok. Je vais dire, je pense qu'ils se sont pris une bombe nucléaire, mais non, même pas. Même pas. Ah, merde, ça avance en Crimée. Tant pis. On va expliquer beaucoup de choses. De quoi? Ah oui, c'est... Bon, ça, la Turquie annule un pré-bail. Ah, il manque des chars de fou. Ah bah oui, j'en construis plus. Vu que j'ai plus d'acier. Attends, il faut que je règle ce problème d'acier parce que là, ça va pas. Là. Ah, quel enfer. Bon, quand il n'y aura plus personne dans les eaux méditerranéennes, ça sera mieux, mais là, ouf. Pas simple. Hein. La résistance, on en est où? Ça baisse partout, bien sûr. Bien sûr. Comment ça, le commandement en Bulgarie, il a baissé? Il manque de tout, c'est abusé. Qu'est-ce que je vais cap comme ressource, là? Potentiellement. Il me faut du tungstène. Il me faut Krasnodar. Il faut qu'on chope ça. La capitale italienne, Izmir, bien sûr. On connaît. Ok, c'est bon, ça se calme un peu dans la péninsule espagnole, enfin. Izmir, Mario. Izmir, Mario, ou j'ai pas compris. Oh oui, la Chine rejoint les alliés. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ah, vous voyez tout ça, là? Vous voyez tout ça rouler sur l'Union soviétique? Oh oui. Oh, j'aime ce. Alors, attendez, moi, il faut que je redevienne communiste.
Voilà. Histoire de rester quand même. Voilà, on est dans les alliés, mais on garde notre petite spécificité. It's me. Oh putain, oui, ok. La fatigue. Oui, non, mais même moi, t'inquiète. Hein. T'inquiète. Je comprends pas grand chose en ce moment. T'as compris, moi je n'ai dit, c'est lui qui. Ah oui, non, mais c'est probablement ma faute. Hein. J'en conviens. Alors ici, ça passe pas là. Nine. Y a personne qui veut arrêter les. Non? Non, je demande, hein. Pour un ami. Ils veulent pas renforcer mes garnisons. Les Américains, vous pouvez ou pas? Non? Enfin, vous voulez, mais vous. Oh, salaud. Ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi vous cassez? Pourquoi vous partez? Non mais ils sont là. Ne les laissez pas reprendre Sébastopol enfin. Ah, ils veulent pas rentrer dans la guerre. Oh, putain. Ah les salauds. La ligne Hindenburg de Chine. Ça fait quoi ça? C'est où? Ça fait quoi la ligne Hindenburg de Chine? Ah oui, c'est. Oui, ok. Rien de spé quoi. C'est pas bon ça. Oh, attends, si c'est bon, ça y a plus personne. Allez, ici il y aura plus que Valence, on sera peinard. Et la Pologne, elle résiste, hein, mine de rien. Varsovie est tombée, mais c'est tout. Hein. Oh la fatigue. Ils sont chiants. Ils sont chiants. Non, je me fais pas pocket par contre, c'est mort. C'est mort. Bon bah tant pis, ça va reculer un peu, mais. Vous la nouvelle armée. Je vais faire reculer un peu à l'est, mais pas me faire pocket toutes mes troupes, quoi. Quand même.
Sérieusement. Ils sont où mes avions? Mes avions sont là. Ça n'aide pas donc. D'accord. Mais quoi? Mais comment? Oh putain. Allez, on a déchiffré le code de l'Allemagne. Mais comment ils ont pas... Oh vas-y les Anglais. Les Anglais, les Américains, on avait conquis l'Espagne, là on était bien. Alors le code soviétique. Oh ça va prendre longtemps. Of course ça va prendre longtemps. Pouah, y'a rien qui passe. Y'a rien qui passe. Ah, il y a eu un débarquement en Norvège. Qui a lamentablement échoué. Sérieusement. Ah donc vraiment. Là, ça peut très très vite puer la merde, hein. Globalement. Repli. Non, 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 pour l'instant il n'y a pas besoin, mais... Mais putain, mais... Ils sont ouf. Mais les Américains, mais vous savez tenir une île ou pas? C'est quand même la base, non? Allez, yalla, yalla, yalla. Go Palerme, on n'en parle plus. Oh, mais ils tiennent même pas l'Espagne, quoi. Alors j'aurais peut-être pas dû... Ah ça recule de partout, dites donc. Ah, y'a que... Ah. Attendez, il y a des débarquements prometteurs ici. Ah si l'Allemagne pouvait capituler, ce serait quand même bien. Berlin tombe, s'il te plaît. Allez, laisse-toi faire. On dira rien. Repli. Alors, je... Ouais. Non, bah repli. Bougez pas. Toc, toi vous passez là. Derrière le fleuve. Voilà, allez, repli. Barrez-vous, con de mime.
Elle est pas bonne ma ligne de repli. Elle est pas bonne du tout. Celle-là. Voilà. Parce que là, ça pue la pocket. Hein. On va perdre des unités d'ailleurs. Ou que oui, on va en perdre des unités. Mais là, pas le choix. Situation des Philippines. C'est pas grave. Allez, les Chinois, vous voulez pas rentrer dans la guerre, s'il vous plaît? Gonimer le chat. Ah oui, mais alors, sur Earth of Iron, le chat parle très peu. Et c'est normal, hein, c'est pas aussi simple de discuter ensemble. Mais c'est avant tout un chat qui regarde, qui apprend. Ou qui juge, non, je pense surtout qu'il juge en fait. Je comprends pas pourquoi les Américains sont si claqués. Oh mais là, mais regardez-moi toutes ces divisions qui pourraient servir ailleurs. Incroyable. Le monsieur ne met pas la bonne adresse. Ah, flûte. Ouh. Les Polonais attaquent. Je répète, les Polonais attaquent. Et je me suis fait pocket. Non, c'est bon. Oui, j'ai pas de division. Oui. Parfait. On a réussi à sauver presque toutes nos divisions. Je dis bien presque. Attends, 12, 27. Ouais, non. Ouais, il en manque. Il en manque pas mal. Alors, ici, j'ai presque envie de les retirer, en fait, les 8, là. Allez, go venir, là. Pourquoi le renforcement est impossible? Ah oui. Ok, et on va se mettre ailleurs. On va aller filer un coup de main. Où donc? Où est-ce qu'on va filer un coup de main? Peut-être ici, hein. Attends, on va déjà se caler là. Ils ont combien? Ah non, il n'y a personne ici. Mais bon Dieu, mais pourquoi vous réduisez pas ça? Allez, hop. Go Turquie. Il faut que je bosse à côté. Oh, le mec, il bosse à 23h, quoi. Quel courage. Ok, l'Italie n'a plus de côte méditerranéenne. Les 9 qu'on a là. Attends. On passe ici, 5. 5 autres qu'on passera là. Allez, feu. On va aller plus tard dans le matin. Ah yes. Tu bosses ton mercato, Oslo? Ah yes, c'est bon ça. Par exemple, allez, hop, 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 voilà. Non, mais cherchez même pas, go. Des fois, l'IA, elle est quand même teubée. On pourra dire ce qu'on veut, mais... j'ai des rondes d'attractivité d'un club de Ligue 2. Ah. Allez, en même temps, Minsk, quoi. Hein, Qui voudrait aller à Minsk? Alors, moi, mais... Bon, je pense que le jeu s'en fout, quoi. Heureusement que les soldats de la glorieuse Yougoslavie sont présents. Hein. Ah bah voilà, ça se fait pocket du côté anglo-américano-français, eh oui. Ça n'a pas anticipé le repli, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'ai fait une très mauvaise ligne de repli. Une fois de plus. Ah non, c'est bon.
Ah non, j'ai rien dit. Ah non, elle était parfaite. Si on est bon. Ah, oh, ça va pas passer ici, chi. Ok, ils ont libéré quand même les Grecs. Ils ont libéré la capitale, parfait. Bon, nous, on va tenir sur la ligne de repli, j'espère. Il faut pas que ça bouge. Ah, c'est tentant, ils laissent des trous, les soviets. Hein. Ils laissent des trous de ouf. C'est compliqué de débuter sur Heart of Iron ? Non. Enfin, comme sur tous les jeux, en fait. Au début, tu comprendras pas tout. Mais comme sur tous les jeux, il faut jouer, il faut se tromper, il faut perdre, il faut... Pas hésiter à lancer des games et à se dire tiens, sur celle-là je vais me focus sur tel point et tu vas voir ce que ça implique, ce que ça fait, ce que ça apporte, ce que ça enlève, etc. C'est un jeu qui est extrêmement complet, c'est ça la difficulté principale, c'est que tout a une implication sur tout. On pouvait prendre Antalya là. Attends, let's go vous barrer. Barrez-vous ceux qui sont Antalya et après on prend. Non, non, mais reste là toi. Non, reste là, je te dis. T'es relou un peu. Stabilité moins 5. Ah mais oui, c'est normal. Ah oui, il faudrait qu'on redevienne coco là. Ouais, on va le faire, on va le faire. On va le faire. Il y a plein de trucs à l'écran, ça m'a l'air bien complexe. Et de menus dans tous les sens. En vrai, quand tu sais ce que c'est pas complexe. À gauche, ici, c'est les armées. À droite, c'est les théâtres d'opération. En bas, c'est les armées, mais les généraux, etc. Yes, attends. Héros du front intérieur, oui. Mais en vrai, voilà, c'est complet. Ça peut passer pour complexe, je comprends. Mais c'est pas non plus... En fait, c'est pas plus compliqué qu'un Football Manager. Hein. C'est juste qu'il faut, comme Football Manager, faut savoir où chercher, quoi.
Maintenant, c'est des Afghans en face, on va les taper quand même, non? Même pas? Superbe. Hercule, je sais pas, mais c'est tant mieux. Ah, si on pouvait prendre Rod, ce serait tellement bien. Oh, bah oui, mais on va prendre Rod. On va les défoncer. Parfait, ça. Par contre, celle-là, ça va être relou, mais. L'Espagne, je comprends pas quoi. C'était presque gagné. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu, les Américains. C'est complètement loose. En plus, y a pas des gens. Oh là là, y a rien comme armée quoi. Oh, donnez-moi deux fusils et je m'en occupe. Fivre espagnol, ah c'est possible, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Oh mais ce bordel les armées, mais regardez-moi ça. Ça ressemble à rien du tout. Non mais ils sont pas coordonnés, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça avance pas. Aucun sens. Ah par contre ici on a bien avancé, c'est cool. Ils ont énormément de divisions à l'intérieur. Là, si on les fait tomber, ils sont vraiment dans la sauce. 17, 4, 5, 22, 23. Ils ont plus d'une trentaine de divisions. Ils ont 30 divisions tout pile. Allez, let's go. On les défonce. On est moins nombreux, on a moins d'équipement. Mais eux, ils auront moins de ravitaillement. Ils vont mourir de faim, peut-être. 24, 4, 5, 6. Allez, ils ont déjà perdu 4 divisions. Ah, ils ont perdu 5 divisions. Ça continue, ça continue. Putain, mais la France, elle arrive à sortir plus de 100 divisions. C'est bien joué. Allez, un petit débarquement américain. Allez, ça passe. Ça passe tout seul. Izmir va tomber.
bloqué. Merde. Quand même. Bon. Alors ici, ils ok. Maintenant, faudrait passer de l'autre côté, quoi. Ah, c'est bien, ça avance. Ça avance de tous les côtés. On va pouvoir reprendre Madrid. Nous avions, ça donne quoi là? Ah ben oui, on se bat pas au bon endroit, les gars. Oh, la résistance, elle pète de partout. Ah, ça va être l'enfer. Ah, ça va être dégueulasse. Ah, c'est, ça va pas être simple, là. Les Américains, vous voulez vraiment pas renforcer mes garnisons, s'il vous plaît? Sinon, ça va être galère. Mais pourquoi vous voulez pas? Il vous reste 1 million d'hommes, c'est bon. Les Anglais, 940. Ah. 740. Ah. La Chine. Allez, la Chine. Oui. Merci. Oh, il m'envoie 1 million d'hommes. Putain. Allez, let's go. Très bien. Ils font pas dans le détail, les Chinois, pour le coup, là. Bon, attends, je vais essayer d'emmener mes avions ici. Ah, de la merde. C'est une goutte d'eau. Oui, je. Bah ouais, pour eux, du coup. Tranquille, quoi. Je suis en train d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui se serait passé si j'étais resté dans le Comintern. Oui, je regrette toujours. Ah, non, c'est bon, on a la Suisse avec nous. Parfait, la Suisse. Allez, go! Allez, la Suisse, on va hisser les Allemands. Merci. Allez, feu. C'est bien. Peut-être que le tournant de la guerre, c'est l'entrée de la Suisse. Les Italiens recrevés dans le palais de Knossos, du coup. Oui, c'est ça. Exactement. Là, le fil d'Ariane prend tout son sens. Il cherche la sortie. Allez, c'est bien, ils sont obligés de relever les divisions. Eh oui. La Suisse avec 1 million d'hommes. Ah, je sais pas combien ils... Ils ont 20 divisions. Bref, ouais, c'est pas... Non, c'est pas fou en vrai. Mais c'est sympa, le geste est apprécié et appréciable. Ça reprend Mulhouse, bon, Besançon. Pas très utile Besançon, mais bon, admettons. Au moins, ça nous permet d'avancer un peu plus, là. De gratter du terrain. Ah, ici, ça a cap, c'est nouveau, très bien. Ici, ça résiste, ça bouge pas. C'est parfait. Bon, ici ça bouge pas non plus, mais on pourra pas bouger avant un petit bout de temps quand même.
Bon, par contre, ils sont gentils, mais ils recap rien du tout pour moi, là. Enfin, ça, mais pas... C'est pas fou, quoi. C'est quand même chez moi, de base, ici, hein, je vous le rappelle. On est alliés, l'Allemagne fait faillite, oui, c'est ça. Il y a un trou, là. Allez, feu, feu, feu. Let's go. Oh, ça pourrait passer ici, je suis sûr. Tentative de débarquement ratée. Oh que oui. Oh que oui, c'est raté. Là, par contre, ça peut passer. On peut peut-être libérer la Norvège. On en est où de la construction de mon réacteur nucléaire là? Ah bah il va bientôt être construit, très bien. On va en faire un deuxième. Ah bah oui, mais j'ai perdu tellement de trucs. Quel con. Allez, on en fait plein. On fera des bombes atomiques en masse. Mais le front, c'est tellement... Ça a tellement pas bougé en un an. C'est un truc de ouf. Capitulation des Indes néerlandaises. Alors, les Japonais sont très vénères. Mais la Chine, toujours pas, non? Non. D'accord. On va renforcer encore mes garnisons, du coup, tiens. Hop, 900 000 hommes. Ah non, 24 000. Que c'est déjà ça, c'est déjà ça. Allez, référendum. On redevient communiste. Voilà. Tito est de retour. C'est bon. Au moins, c'est fait. La boucle est bouclée. On est en guerre contre le Comintern du côté des alliés. Mais on est quand même avec Tito au pouvoir. Ouf. Tout est rentré dans l'ordre. C'est là-dessus qu'on va couper la VOD YouTube. Nous sommes le 27 avril 1947. Plein de 7. Bisous. Et mets un petit pouce bleu. Mets 7 pouces bleus, tiens. Pourquoi pas. Allez, tue.